je m'appelle Boubacar Baïdigué, je suis un promoteur immobilier. Mm-hmm. Et à côté, je fais un peu de culture et de la restauration d'espace. C'est un peu vague le parcours. Mais en fait, je vais vous dire simplement que j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire jusqu'au niveau d'un BTS comptabilité au cours locaux de Marcoury. Et puis après, j'ai fait un petit crochet dans l'assurance, l'Union africaine Abidjan, où je m'occupais du service sinistre dans une agence au plateau. De là, j'ai décidé de rentrer au Bercail en Guinée. Et puis quand je suis arrivé, je me suis mis directement à faire la promotion dans certaines boîtes de nuit, mm-hmm. où je faisais des soirées à thème. Et puis de là, j'ai carrément loué des espaces, mm-hmm. pour faire des shows comme le Palais du Peuple, mm-hmm. comme le Centre culturel et le cinéma 8 novembre, mm-hmm. en ce moment. Et de là à là, j'ai pris une boîte de nuit d'un côté, et après je suis rentré un peu dans le bâtiment avec mon grand frère. Et puis parallèlement, on a essayé de faire ce qu'on appelle un peu la culture de la culture, ce qui veut dire simplement prendre des artistes, mm-hmm. en herbe et essayer de les faire connaître par rapport à ce qu'ils savent, mm-hmm. par rapport à leur talent, et en faire des produits vendables, mm-hmm. et mettre de l'argent aussi sur eux. Okay. Ouais, si ça fait partie de l'encadrement, oui. Mm-hmm. Donc voilà, c'est de là à là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ce que je fais globalement. Oui, mais il y a une nuance. Parce que moi, je le fais pas à but lucratif. Non, je comprends. Voilà, les opérateurs culturels le font pour avoir de l'argent. Au moi, fait, je le fais pour aider la culture. Là, aujourd'hui, je suis vice-président de la FEPATO. C'est la Fédération patronale du tourisme. Et quand tu entends tourisme, tu entends hôtel, tu entends espace, tu entends qualité, mm-hmm. artisanale, mm-hmm. et autres. Donc, mon souci aujourd'hui, c'est de ressortir ce que la Guinée a de valeur pour faire des échanges avec l'extérieur, pour qu'il y ait, au niveau de ce pays, les moyens au niveau de toute la population par le fruit du tourisme. Qu'on attire aussi, voilà, des gens chez nous, voilà, à travers le tourisme. Que ce ne soit pas, qu'on n'attende pas les recettes minières, mm-hmm. qu'on n'attende pas forcément les recettes de l'agriculture et, mm-hmm. autres. Côté-là, on a aussi des produits vendables. Parce que quand vous prenez de la basse côte, mm-hmm. à Koundara, chaque 100 km, les paysages changent. C'est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a toute cette variété de végétation. À chaque 100 km, la végétation change. On a des steppes, on a des plaines, on a des plateaux, on a des mangroves, on a des montagnes. Et tout ça, il faut donner une valeur à cela pour que, mm-hmm. les devises rentrent dans ce pays. Mm-hmm. En fait, c'est un peu ça. Donc, et tout ça, mm-hmm. qu'est-ce qui peut amener à... C'est la culture. Ouais. Ce sont les artistes qui peuvent chanter la Guinée, mm-hmm. qui peuvent parler de la Guinée ou dans leur chanson, la Guinée, ou vendre la Guinée. Voilà, c'est un peu un challenge, mm-hmm. mais on essaye de voir comment nous pouvons d'une manière... Parce que avec l'État, c'est pas trop facile, mais nous allons essayer de nous battre pour vraiment mettre en valeur les richesses de ce pays. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est l'environnement sociopolitique. Le vrai problème guinéen, c'est l'environnement sociopolitique. Aujourd'hui, chaque contact nous amène à rechercher la source de l'individu, de la personne qui est en face. Quand tu dis bonjour, oui, t'es doux. Parce
parce que déjà c'est ethnisé, c'est l'ethnicisme à tous les coups. Un. Deuxièmement, tu veux un marché, mais on regarde par l'affinité régionale pour voir si... Voilà, pour tout l'accorder. Donc il y a déjà plein de choses. C'est le vrai combat déjà, c'est un problème de prise de conscience. De prise de conscience globale de tous les fils et filles de ce pays-là. Pour qu'on se dise, il faut qu'on se batte pour créer une harmonie entre nous. Parce que la différence fait une complémentarité. C'est un relais. Donc on a des richesses, mais on les sépare, on les décante. D'abord, j'aimerais qu'ils aillent se former dans le civisme. Il faut de la culture interne, la nation. Il faut que le Guinéen vive sa nation. Que la jeunesse se dise d'abord la Guinée. C'est le premier principe. Donc il faut du civisme, la culture du civisme. C'est-à-dire que quand tu sors, tu vois une poubelle, que tu vois de la saleté à côté, prends, mets dans la poubelle. Que tu apprennes à le faire. Cette culture de l'hygiène déjà te fait guinéen. Le bon guinéen, le bon citoyen. J'aimerais que la jeunesse refuse d'être militante. Qu'elle soit citoyenne. Une jeunesse citoyenne. Le militantisme tue la jeunesse. Parce qu'elle est utilisée. Elle est usitée. Pour qu'elle puisse produire. Il faut du civisme. Pour qu'elle puisse produire, il faut qu'elle se mette en tête que l'important, l'essentiel, c'est la Guinée. Et c'est ce que je peux dire, franchement. Une pensée pour toutes ces victimes de la pandémie, au-delà de l'épidémie, Ebola. Que Dieu ait l'âme des disparus de cette calamité. Que Dieu nous aide à bouter cette maladie, ce virus de la terre africaine, particulièrement de ma terre Guinée. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les victimes de Womé. Je prie Dieu et leur âme, et que plus jamais ce genre de choses ne se passe dans ce pays qui a trop saigné. Pitié à la vie. L'échangeur se trouve à une intersection. L'emplacement. Donc c'est une intersection. L'échangeur se trouve à une intersection. Et cette intersection amène à donner le nom de l'espace échangeur pour que, au niveau de la Guinée, au niveau de Conakry, on ait des échangeurs. Ça, c'est sur l'autoroute. Et grâce à ça, Dieu merci, aujourd'hui, on a 3 ou 4 échangeurs au niveau de l'autoroute. Ça, c'est un. Deuxièmement, échangeur, c'est l'espace où on échange les ondes positives. Tous ceux qui ont quelque chose de bien à partager viennent à l'échangeur. Troisièmement, l'échangeur, c'est l'espace où ceux qui ont le palais délicat, qui aiment le bon goût, viennent. Parce qu'ils y trouvent de la kéké, poisson braisé, avec le nom échangeur. Parce que c'est une marque déposée. C'est une question de qualité. La vie n'a pas de brouillon. Alors chaque jour, vis pleinement ta vie. Passe à l'échangeur, mange avec le goût. Pas manger pour être rassasié, manger parce que tu as le plaisir du goût. C'est ça l'échangeur. L'échangeur aussi, c'est l'espace où tu peux écouter un son avec des artistes du terroir. Et ça, c'est le week-end. C'est un tout l'échangeur. L'échangeur, tu es pressé, tu peux t'arrêter pour un shawarma. Si tu as le temps, tu peux t'asseoir avec des amis pour un cocktail. Et tout ça, c'est l'échangeur. Le live, c'est l'échangeur. Le live, c'est l'échangeur. Merci, ma chérie. Pourquoi pas? Je vais y penser. Voilà. Merci pour l'idée. Je vais penser au concept. Merci. C'est pour ça que Nyakri Live est partenaire de l'échangeur.
Merci. Je voudrais dire merci à Nyaki Lai. Je souhaiterais que les actes que vous posez soient les garants de vos aspirations. Parce que quand je vois des jeunes qui initient des activités et qui y mettent du cœur par rapport à ce qu'ils ont de valeur comme conscience, culture, instruction, savoir, éducation, au service des autres, c'est à louer. Donc que Dieu vous guide. J'aimerais aussi que Dieu amène, répande la paix dans le cœur des Guinéens, des uns et des autres, pour que la Guinée soit réellement un pays de solidarité, un pays de fraternité, un pays où il fait bon vivre, le bien-être, le mieux-être. Que Dieu m'entende. Amen.